Bonjour, cher Michel. Vous m'avez envoyé votre programme. Vous présentez autrefois votre candidature pour être au service de la France. Vous connaissez bien que je suis inscrit au parti du Modem, donc je ne peux pas participer à votre activité politique parce que je suis de l'autre côté, si vous voulez. Mais dans ce moment où tout le monde veut aller avec Macron, nous avons l'épitonnable ex-premier ministre Valls qui a dit que le Parti socialiste est mort. J'ai dit, même si je suis dans notre parti, vive le Parti socialiste. Les partis ne sont jamais morts. Ce sont les hommes qui ont besoin pour sa vie, pour sa activité, de les tuer. Tout le monde parle bien de vous, cher Michel. Vous avez fait un programme très intéressant pour votre électeur avec Emmanuel. La France a besoin des femmes, la France a besoin même d'une opposition. Et même à Bordeaux, où je partage beaucoup des initiatives de l'administration de Juppé, je pense que pour bien administrer une ville, comme Juppé fait, nous avons besoin même d'une opposition qui contrôle. Donc vous avez pour moi un rôle très très important dans la ville. J'espère que vous pouvez faire, comme vous avez dit, un service à la République et à la France, et donc à l'Europe, et que vous pouvez faire une campagne avec toutes les satisfactions possibles. Bien sûr que j'espère que mon parti, le parti Modem, peut faire une grande élection, mais la France a besoin de tous les partis politiques. A besoin d'une droite forte, républicaine, a besoin d'un parti communiste solide, et aujourd'hui, a besoin d'un parti socialiste. Les socialistes sont toujours connus pour être à côté de l'exigence des classes moyennes et des classes plus bas, avec une vision pragmatique de la politique. Et je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses pour nous. Donc, je ne serai pas avec vous, mais j'adore votre force. Et j'espère que vous pouvez faire une lutte pour la démocratie avec toute la force que tout le monde me dit que vous avez. À très bientôt et in bocca al lupo!